Le tapis de neige qui couvrait Rimouski ce matin vous a peut-être donné une petite frousse si votre véhicule n'est toujours pas chaussé pour l'hiver. Est-ce que vous avez mis vos pneus d'hiver? Pas encore, madame. Ça va être demain matin. Oui, mes pneus d'hiver sont mis depuis le... Ça fait au moins 3 semaines. Pas encore. Non, je suis pas vraiment pressé. Là. Il sort pas de la ville, le véhicule. Si vous n'avez toujours pas pris un rendez-vous pour le faire, il faudra s'armer de patience. La majorité des entreprises qui effectuent ce genre de service à Rimouski sont complètes jusqu'à la fin novembre. C'est une grosse période, c'est ainsi, c'est sûr. On rentre un véhicule normalement aux demi-heures pour faire les changements de pneus. C'est sûr que l'achalandage est fort jusqu'à la troisième semaine du mois de novembre. La date est bien sûr le 1er décembre. Fait que c'est très achalandé, surtout avec la petite neige de ce matin. Selon David Dastou, la COVID-19 est une des raisons qui explique ce plus grand délai pour obtenir un rendez-vous. En raison de tous les travaux de désinfection et de mesures sanitaires à respecter, il effectue 5 véhicules de moins par jour que l'an dernier. La demande de pièces et de pneus, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de pénurie à ce côté-là pour l'instant. Ce qu'il faut faire beaucoup attention, c'est le temps. Ça nous prend un petit peu plus de temps par véhicule, le temps de désinfecter en rentrant, en ressortant. Les propriétaires d'entreprises ont quelques suggestions à donner aux automobilistes qui s'y prennent à la dernière minute. Prendre le rendez-vous tout de suite parce que c'est vraiment achalandé, ça c'est sûr. Bon, on dit à tout le monde que s'il y a des cancellations, qu'on va essayer de les appeler, mais c'est sûr que la demande est forte, alors c'est d'être prudent puis d'être patient. Faut les faire à la fois quand même. Selon le ministère des Transports, tous les véhicules doivent avoir leurs pneus d'hiver du 1er décembre au 15 mars. CAA Québec indique que ceux qui ne respectent pas cette règle s'exposent à une amende de 300 $. Ici Jennifer Boudreau, Radio-Canada, Rimouski. Ici Est du Québec.